Catherine Potimi, je suis la responsable de la bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin. J'ai une grande passion pour les gens, évidemment, parce que je suis bibliothécaire pour les livres, mais j'ai un deuxième hobby qui est la photographie. En fait, les bibliothécaires sont des gens assez barrés et assez créatifs, qui réenchantent le monde et développent leur capacité d'émerveillement au contact du public et espèrent développer chez les gens aussi cette même capacité d'émerveillement. Et comme j'aime beaucoup l'écriture, m'est venue l'idée à un moment donné d'écrire, mais comme j'avais pas le temps d'écrire, prise par le grand tourbillon de la vie, j'ai décidé de prendre des photos qui racontaient des histoires. Donc je me suis auto-proclamée avec ce joli mot valise, photomographiste. Voilà. Donc je photomographie à mes heures perdues et je suis une grande dévoreuse de livres dans le cadre de mes missions diverses et variées à la bibliothèque. Cette petite installation s'appelle Le Confident et c'est le prologue d'une exposition qui aura lieu probablement à la fin de l'année 2018 qui va s'appeler Anima Morphosis, les métamorphoses de l'âme. Je propose donc aux gens de rentrer dans le confident qui est matérialisé par une moustiquaire en tulle. On rentre dans un giron et quand on pénètre à l'intérieur de ce giron, on voit quatre photographies en noir et blanc qui représentent quatre personnages en quête d'auteur, deux hommes, deux femmes. Ce sont quatre personnes qui ont posé pour cette série de photos et je souhaitais les exposer à mon tour au regard des personnes autour et puis au milieu de ça il y a un miroir où les gens peuvent se regarder et j'invite les gens à être là, ici, maintenant, en pleine conscience, se regarder dans le miroir pour révéler leur âme et pourquoi pas se prendre en selfie. C'est plus qu'une passion. En fait, intrinsèquement, je suis ce que je montre. C'est pour ça qu'une fois que l'installation est faite, j'aime pas trop être à côté quand les gens viennent et font des commentaires. Je préfère m'éclipser parce que j'ai l'impression que c'est presque impudique ce que je montre. Donc non, c'est pas une passion. Je décrirais pas comme ça, même si je ne suis qu'artiste amateur finalement, et c'est une artiste confirmée, Isabelle Thion, qui m'a permis d'exposer aux Ulles. Mais je montre vraiment un petit morceau de mon âme à moi.